بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم آمين آمين أما بعد فنكمل في دروسنا في كتاب مراء نور الايضاح نور الايضاح ونجاة الارواح للشيخ شرون بلالي رحمه الله تعالى فوصلنا <coughs> الى فصل جديد في متعلقات الشروط وفروعها Nous continuons dans notre cours à partir du livre Nourul Idah du Shaykh Shurun Bulali رحمه الله تعالى nous sommes arrivés dans un nouveau chapitre une nouvelle section dans laquelle L'auteur, Rahimahullah, parle de certaines choses qui sont rattachées à certaines conditions euh, et certaines ramifications donc de, euh, des conditions de la prière. Il mentionne maintenant concernant euh, certaines choses qui sont liées aux conditions de, de purification. Donc, il parle d'un libd, qu'on pourrait appeler ici par une sorte de feutrine. Euh, C'est-à-dire une feutrine qui est suffisamment épaisse, qui a une certaine épaisseur. Et le dessus de cette feutrine est pur, et le dessous, il est souillé par une impureté et il est posé au sol alors la prière est valable dessus. C'est-à-dire que pour se représenter la chose comme si on avait une planche de bois sur laquelle on prie, le dessus est pur et le dessous est souillé par une impureté. Il y a donc cette épaisseur qui garantit une séparation donc la prière est valable sur ce cette sorte de feutrine euh, également sur un bout de tissu, si la personne prie sur un tissu euh, qui est pur et il y a une partie sur laquelle euh, qui, une partie de ce tissu, bien sûr lui n'est pas en contact direct, euh, qui est impur. Euh, ou plutôt ici, ce qui est voulu, c'est-à-dire comme, euh, comme une, un tissu double, un double tissu, mais qui n'est pas cousu, euh, les deux tissus ne sont pas cousus les uns aux autres, l'un à l'autre. C'est-à-dire que il prie sur un tissu, et ces deux tissus euh, sont ensemble, mais ne sont pas cousus, comme si c'était une, une fermeture, une couture qui, qui, qui qui fait en sorte qu'il n'y a plus de distinction entre l'intérieur et l'extérieur, c'est le même habit. Ici, on parle de deux tissus qui ne sont pas cousus l'un à l'autre. Si celui qui est dessus est pur et celui qui est dessous est impur, également la prière est valable. « tarafin tahirin wa in musalli ala sahih » Également, la prière est valable sur... Euh la personne qui fait la prière est un bout de un pan de son tissu un pan de son tissu euh, est pur et lorsqu'il fait la prière par les mouvements du prieur alors il y a une partie un pan de ce tissu là euh, qui bouge par ses mouvements qui bouge par ces mouvements alors la prière est valable selon la vie juste. Pourquoi Parce que ce, ce, ce tissu qui, qui est au sol euh, est pas, il n'est pas considéré il ne, il ne sera pas considéré comme si lui il le portait. Donc lui il fait la prière dans ce, à cet endroit là pur cet endroit qui est pur et un, un empan un empan du tissu il est impur. Euh, lui il n'est pas en train de le porter même si par ses mouvements dans la prière

euh, pan de, du turban de la personne sur sa tête, et, il est souillé par une impureté, et que lui, il l'enlève, et que lui, il, euh, il fait un mouvement pour le jeter, pour euh, qu'il s'enlève de, de sa tête. De, du coup, le, la, le, le tissu, le pan du tissu qui est pur, c'est ce qui reste sur sa tête. Et que ce pan du tissu, ce, ce, ce pan du tissu, du, tir, du turban qu'il a enlevé, euh, il ne bouge pas avec lui, il ne bouge plus avec lui. Par exemple, il, il traîne au sol. Dans ce cas-là, la prière est valable. Mais il bouge avec lui, alors la prière n'est pas valable. Maintenant, si la personne il n'avait pas la capacité, il n'avait pas de quoi, il n'était pas dans la capacité d'éliminer la najasa qu'il a sur lui. Alors il prie avec et la prière est valable et il n'a pas l'obligation de la refaire. Puis il mentionne certains jugements qui sont liés à la couverture de la zone de pudeur, la Aura. Alhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala Rasulillah.